d'annuler toutes les règles de la perspective. La perspective étant une ligne de vue pour l'œil. Le regard se perd, espérant trouver un mieux ailleurs. Là-bas. Mais sachant bien qu'il n'y a de mieux nulle part ailleurs, l'architecte a supprimé tout tracé favorisant son illusion. Ce bâtiment surgit soudain dans l'espace urbain. Ce bâtiment est une surprise pour le promeneur qui le découvre. Tout à fait. Dans ses vraies dimensions, et non pas minuscule, comme il aurait pu l'apercevoir à l'extrémité d'un boulevard. La perspective est nuisible à l'homme. The perspective is bad for human being. La perspective est muy mala para los hombres. Restez là, près de moi. Sinon, vous risquez de devenir tout petit. Ne vous éloignez pas. Quedad a proximidad de mí, por favor. Be careful, little, little. La perspective commence à être dangereuse à partir de 2 mètres. À partir de 2 mètres, je vous sens diminuer. Ensemble, on avance, ensemble, together. L'éloignement nous rafraîchit. N'oubliez jamais cela. C'est ensemble que nous sommes, tous ensemble. Les tableaux. Je cherche les Kolinsky.
prendre un guide, Jean-Louis. Un guide? Et pourquoi faire? Mais pour expliquer, je comprends rien. Il n'y a pas à comprendre, Josette. Il y a à ressentir. Mais je ressens pas. Ça fait une heure que je ressens pas, c'est long. Parce que tu crois qu'un guide, ça ressent. Ça raconte, ça apprend, non? Apprendre sans ressentir, merci bien. Et pour 20 euros en plus, excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque? Bien sûr. Dans un musée d'art moderne? Bien sûr. Par un guide payé par la ville? Mais évidemment, tu débarques ou quoi? Pierre, le cousin de François. Et tes guides, c'est pour te dire... Ah oui, Pierre. Celui qui est en prison? Oui, Pierre. Avant de tuer sa femme. Et tes guides, à Toulouse, au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse? Oui, un musée grec ou romain. Non, égyptien, c'est ça, égyptien. Je me souviens. Il voulait même cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Quelle histoire! Enfin bref, Pierre, il apprenait par cœur le prospectus. Le prospectus que l'on distribuait à l'entrée du musée. Un prospectus gratuit. Et lui, 20 euros en plus, il le récitait aux gens, sans compter le pourboire. Tu te rends compte de l'arnaque? À Toulouse? À Toulouse. Putain! Et crois-moi, les gens qui ne ressentaient pas, ils ne ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Ah ça, ça m'étonnerait. Un guide qui va étrangler sa femme. Quand il explique les Égyptiens, il y a forcément une vibration, une onde en plus. Tu crois? Bien sûr. Un futur assassin qui vous parle, c'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans sa voix, on est pris. On ressent forcément. Tu te rappelles qu'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur? Et alors? Les héros de Corneille, ils connaissent aussi le texte par cœur. Hein. C'est comme ton prospectus. C'est jamais le héros qui l'écrit. C'est vrai. Excuse-moi, mais c'est des cons à Toulouse, hein? S'ils font pas la différence entre un guide normal et un guide qui va étrangler sa femme. Je ne connais pas Toulouse. Tu connais pas Toulouse? Non. Tu sais, Jean-Louis, par moments, je te ressens vraiment pas. Bonjour, un billet pour me dégaliser. Une entité de l'esprit qu'on peut se représenter mais qui est indispensable au fonctionnement de l'univers.
peux dire que leur astre, c'est nul. Tu es fatigant, Jean-Paul. Baudelaire n'est pas un peintre. Non. T'es sûr? Évidemment, c'est un écrivain. Baudelaire. Un grand écrivain même. C'est pas lui qui peignait la réalité des hommes. Baudelaire. Oui, Charles Baudelaire. Tu me troubles. Yeah.
mademoiselle. Laissez-les passer, hein. Voilà. Oh, le gros puits. On ne bouge pas. Et les jaunes. Ah non, quand je dis les jaunes, ce ne sont pas les Japonais. Ce sont les badges jaunes. Les Japonais sont gentils, les Japonais, hein. Ils ne photographient jamais le guide. Le groupe 8. Le groupe 8, vous commencez vraiment à m'embêter. Quand je dis on ne bouge pas, c'est on ne bouge pas. C'est simple à comprendre, non? Je n'ai toujours
mammouths. C'est ça, des mammouths. Non, pas de Giacometti. Certaines. Anatole, je sais quand même faire la différence entre des mammouths et des Giacometti. Anatole, tu me dis 16h au musée Malraux, j'y suis et il n'y a que des mammouths. Attends une seconde. Excusez-moi, au premier étage, il y a une exposition. Oui. Des Giacometti. Non, des mammouths. Au premier étage aussi? Oui, des petits mammouths. Non, ce sont de petits mammouths. Anatole, si tu ne me crois pas, mais je n'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi j'aurais dû vérifier si. Mais je ne savais même pas qu'il y avait une exposition de Giacometti. Je n'en sais rien, Anatole. Je ne suis pas le président de la République. Une seconde. Pourquoi exposez-vous les mammouths après Giacometti? Pour changer. Pour changer. Quoi? C'est ce qu'on vient de me répondre, Anatole. Pour changer. Bon, ok, tu ne viens pas. On s'appelle plus tard. Merci. Quand on dit changer, c'est changer. Faire avec le but. Pôle nord, pôle sud. Chamboulé. Le monde à l'envers. Chaviré, vous voyez? Je vois, oui. Ça m'étonnerait. Moi aussi. Personne ne voit. On le sait bien. C'est trop opaque. On n'y a pas travaillé, on ne peut pas se rendre compte. Du musée? De travailler dans un musée. L'esthétique, 8 heures par jour dans l'esthétique. Climat, très trop poétique. Du beau devant, du beau derrière. Du beau que vous donnez vos pieds, vos épaules, vos yeux et votre ventre. Et beau, et du charme en plus. Exact, souvent du charme en plus. Grâce, symétrie, sensibilité. Beaucoup de sensibilité. La sensibilité, c'est 80% de notre environnement. 90, Robert. 90. Et ça attendrit à force. Du sol au plafond. À ce point? Vous réalisez ce que c'est que d'être matin au soir devant Goya, Rodin, Eugène Boudin? Ou un petit vase précolombien, grand comme ça. Ça bouge pareil. Et on n'entend pas un mot, madame. Je ne savais pas tout ça. Regardez, la visite de la reine de Saba, par exemple. Elle dit quoi, celle-là? Et puis, essayez d'aller chercher du pain ou une crème contre les morsures. Ou encore, d'aller parler à la maîtresse de votre fille. Vous verrez si c'est si facile. Et puis, depuis qu'on alterne art, mammouth, art, il y a du mieux quand même. Ah, c'est vrai que les mammouths nous ont changé la vie. Oui, c'est sûr. Quand on voit les mammouths toute la journée, qu'on rentre chez soi et qu'on regarde la tronche de notre femme, il y a forcément du mieux. Forcément, on est bien d'accord, Robert. Moi, je n'ai plus personne alors. Mais pour être tout à fait honnête, le mammouth me laisse pas tout à fait indifférent. Tu veux dire comme une bonne copine. Il me comprend et ne bouge pas. Comme un bon copain. Oui, une bonne copine. Un bon copain sous prétexte de vous aider, vous donne des conseils, vous fait la morale. Alors que le mammouth, lui, il n'intervient pas. Une vraie amie. Je comprends très bien.